fait une cavalcade qui partait de Cugna. Là, on a déjà fait le petit reportage dans un des épisodes précédents. Et aujourd'hui, on est venu pour les filmer. Donc, on a fait des plans au drone. Et on est venu, ils nous ont demandé de filmer à cette chute d'eau qui s'appelle Cachoeira do Pimenta, qui est magnifique, je ne la connaissais pas. Et c'est dommage, ils voulaient venir en bas pour prendre une photo, mais pour finir, il fait très chaud, donc les chevaux sont fatigués, alors ils ont décidé de ne pas descendre jusque là pour ne pas avoir à remonter avec les chevaux, sachant qu'ils doivent encore faire tout le chemin jusqu'à Paraty. Je ne savais pas où, moi. Comme... voilà. Tout le chemin comme nous, on l'a fait en montant. Alors bon courage, hein. Moi je suis bien contente de ne pas le faire. Parce que ils comptent arriver. Ils comptent arriver à 5h au camping. Et Xavier a parié qu'il serait pas là à 11h. Donc on va voir. Donc voilà. Ça, c'est la Cachoeira do Pimenta. Si vous passez par là, ça vaut le coup d'œil. Donc là, on s'est arrêté pour manger et boire un truc. Juste au-dessus de la Cachoeira, il y a une partie des chevaux qui sont partis pour aller jusqu'à Paraty. Et ça, c'est les gens de Cugna, en fait, qui ne vont pas aller jusqu'à Paraty à cheval. Ils préfèrent laisser leurs chevaux ici. Je les comprends. Et je vais vous montrer la beauté des selles qu'ils ont ici. Cugna, c'est vraiment le pays du cheval. Hein. Regardez. La tiraille, les facins. Un peu fatigué. Vous avez vu,